Grand et notre plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, début ce lundi du dépôt des candidatures pour l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. Le calendrier prévoit l'élection et l'installation du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement le samedi 10 août 2024. Indemnisation des victimes des atrocités de la guerre de 6 jours dans la ville de Kisangani. Le ministre d'État en charge de la justice a déféré devant la justice les responsables des Frivaro, structure qui avait en charge les dossiers de ces victimes. Et puis nous aurons un invité dans ce journal, Maître Prosper Tetika, président de Law and Technologies, une structure d'études sur la réglementation numérique. Mesdames et messieurs, merci de suivre ce journal sur la RTNC. Le bureau définitif du Sénat sera élu et installé le 10 août 2024. Aujourd'hui, lundi, c'était le début des dépôts de candidature. Parmi les candidats présidents du Sénat, nous avons Jean-Michel Samalou-Kondé-Kengé, Jonas Mukamba, pour ne citer que cela. Les détails dans ce reportage. La salle Kivu du Palais du Peuple a servi de cadre pour la réception des candidatures aux différents postes du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement congolais. Les premiers à se jeter dans l'eau, l'honorable Mukamba Kadiata Nzemba Jonas. Élu de la province de l'Équateur, il a postulé pour les comptes du regroupement politique Ali Ali Depes au poste des présidents du Sénat. Les patriarches Jonas Mukamba compte apporter son immense expérience pour réconcilier les peuples congolais dans la vision du chef de l'État. Comme une grande famille, travailler la main, dans la transparence et dans les valeurs de la République pour que nous puissions aller de l'avant. Résorber les poches des résistances résiduelles à l'est du pays et à travers nos provinces. Il veut apporter son expérience au service de la nation. C'est pourquoi nous l'avons accompagné et il est là. Pour sa part, le premier ministre honoraire, l'honorable Samalou Kondé, a déposé sa candidature pour briguer les perchoirs de la Chambre haute. Il n'a pas voulu attendre les deuxièmes jours pour officialiser ses ambitions légitimes à ses postes. Je suis venu effectivement déposer ma candidature. Candidature qui s'inscrit dans l'accompagnement de la vision. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Notre règlement intérieur demande à ce que ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau, la Chambre doit faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Je pense, dans le cadre de cette expérience, j'ai apporté à cette Chambre, bon, en tant qu'ancien parlementaire, et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. Candidat au poste de deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo a exprimé ses ambitions pour consolider les acquis. Nous voulons apporter notre expérience, la sagesse, mais surtout aussi contribuer à répondre aux attentes de la population au nom de laquelle nous sommes ici. Je ferai de manière à ce que le contrôle, qui est une attribution du deuxième vice-président, soit le plus efficace possible. La poursuite ainsi que la clôture des dépôts des candidatures interviendra. C'est mardi 6 août 2024. Et les candidatures pour les autres postes du bureau définitif du Sénat ont été également déposées ce lundi. Parmi les candidats, Nefertiti Goudianza, Justin Kalumba, Jean-Claude Baende. Les sièges du Parlement congolais étaient en effervescence. C'est lundi 5 août 2024 au Palais du Peuple, où les candidats aux différents postes du bureau définitif du Sénat ont marqué leur présence en déposant leur candidature au poste des rapporteurs, rapporteurs adjoints, des questeurs et des questeurs adjoints. Nous voulons apporter notre expertise et notre engagement pour que les travaux du Sénat pour toutes les commissions et pour toutes les séances en plénière soient organisées de la manière où nous pouvons avoir cette base. Parce que dès lors que les travaux sont très bien organisés, le reste peut suivre facilement. La loi portant le statut de l'opposition prévoit que les groupes politiques de l'opposition aient le droit d'être représentés au bureau des chambres délibérantes. C'est le cas du Sénat et il y a un poste qui est
réservé à l'opposition le poste des rapporteurs adjoints, pour lesquels un de nos sénateurs, l'honorable Salomon Kalondade, là, il dit ici à ma droite, a fait acte de candidature. J'ai postulé comme candidate questeur parce que je voudrais mettre mon expertise, mon expérience au profit de notre chambre. Nous allons travailler, si les collègues nous font confiance, suivant les règles de l'art. En tant que questeur adjoint, je vais me battre pour mettre en place un système. Et surtout, nous allons miser sur la transparence. Conformément au calendrier publié par les bureaux provisoires, prévoit l'affichage des listes des candidats retenus aux différents postes par la commission ad hoc le 7 août. La campagne électorale se déroulera le 9 août au cours d'une séance plénière et l'élection des membres du bureau définitif interviendra le 10 août 2024. Justice sera faite pour les victimes des atrocités de la guerre de six jours dans la ville de Kisangani. Dans l'entretemps, l'heure est à l'indemnisation des victimes. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a déféré devant la justice les responsables de Frivao qui avaient en charge les dossiers de ces victimes. Cédric Kenida nous donne les détails. L'on applaudit, l'on témoigne sa gratitude et l'on entre en possession de son indemnité. Les victimes du génocide à Kisangani ont été indemnisées. L'enveloppe est passée de 200 dollars, comme d'ordinaire, à 2000 dollars. Un bon spectaculaire, signe de l'engagement du gouvernement de la République à soutenir les personnes touchées par cette tragédie humaine. Et seules les vraies victimes ont été indemnisées. Ben, nous avons observé qu'il y avait de l'anarchie, il y avait du désordre dans l'organisation de l'opération d'indemnisation de victimes. C'est pourquoi nous avons diligenté à l'époque l'audit de l'IGF, qui nous a présenté un rapport peu reluisant, qui nous a poussé à confronter cela avec les déclarations des victimes elles-mêmes. Après cette confrontation, nous avions pris la plus grande décision de la suspension et toute l'équipe dirigeante des Frivao, et que nous avons mise à la disposition immédiatement la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a également visité la prison centrale de Kisangani, un centre de détention centenaire qui nécessite réhabilitation, modernisation et délocalisation. Moment propice pour procéder également au désengorgement de ces lieux de détention, une opération qui a concerné rien que les détenus éligibles. Le génocide a été commémoré à travers le monde dans les missions diplomatiques de la RDC, au Gabon, au Sénégal, au Cameroun, en Afrique du Sud et au Canada, où la cérémonie a connu une émotion particulière. Commentaire Edith Chala. Un jeune homme de 18 ans abattu puisqu'ils sont congolais. Ces témoignages aussi émouvants que ceux suivis à Kisangani le 2 août dernier témoignent de la cruauté des agresseurs et de leur volonté de blesser l'âme congolaise. Depuis le Canada où ils se trouvent, ils sont en communion d'esprit avec la mère patrie. L'ambassadeur de la RDC au Canada, Joskaka Bongo, qui a organisé cette célébration du génocide à Ottawa, interpelle la communauté internationale sur cette tragédie congolaise. Avec un drapeau en berne depuis le 1er août à l'initiative de l'ambassadeur Kachadi Lebukasa, les diplomates en poste à Yaoundé, la diaspora congolaise et la communauté estudiantine se sont réunis avec pour objectif de rassembler les Congolais dans une œuvre de mémoire, rappeler aux victimes qu'elles ne seront jamais seules et envoyer un signal fort aux agresseurs. Au Gabon, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en poste à Libreville, François Luambo, a devant les diplomates congolais et la communauté congolaise du Gabon dénoncé l'agression rwandaise qui dure depuis des décennies en changeant tout simplement de forme avant de fustiger le silence de la communauté internationale. À Dakar, au Sénégal, l'ambassadeur Christophe Muzungu est monté au créneau pour appeler tous les Congolais à la mobilisation générale derrière le président de la République Félix Antoine Tshisekedi contre les ennemis de la RDC. Une messe a été dite pour commencer et des chants du public rappelant un soutien indéfectible aux victimes. Génocide sera ainsi un moment de mémoire pour que rien ne soit oublié et plus jamais ça.
et cette commémoration du génocide à travers l'art. Claudie Kahn, artiste peintre, a façonné des œuvres d'art en cuivre qu'il a présentées au public à travers la télévision nationale congolaise. Tété Bongunja et Didier Amissi. Quelques jours seulement après la célébration du deuxième anniversaire du génocide, le voix s'élève de partout pour condamner ces génocides pour des gains économiques au Congo qui a occasionné la mort des milliers de Congolais. C'est le cas de ce digne fils du pays, Claudie Kahn, artiste peintre sculpteur, qui a présenté deux œuvres d'art pour revendiquer en sa manière ces tueries. On voit toutes ces personnes qui souffrent ici, on voit des pierres. On voit un cristal qui représente la richesse du Congo et cette main qui veut dire à cause de ça, on est coupable pour avoir autant de morts. Ce n'est pas normal. Donc il est temps de dénoncer ces choses-là ouvertement à l'international, que tout le monde puisse le savoir. Façonnées à l'aide des poudres de cuivre, ces œuvres d'art dénommées Génocos et Angelou, comme pour dire ange, expliquent tout sur le Génocos. Et à côté, c'est la même chose. Si vous regardez à l'intérieur, vous avez des petits personnages. Vous avez une femme et vous avez comme une mère poule qui protège ses enfants. Donc la femme étant la Gaïa, la mère nourricière de la population, du monde, j'ai voulu représenter par ce symbole-là tous ces enfants qu'on est en train de perdre. Il faudrait que cette mère-là puisse les protéger. Ce que je peux adresser à la nation, ce que je peux adresser aux enfants du pays, Banamboka, Tosim Banamaboko. Et puis sachez également que le gouvernement de la République vient à la rescousse des déplacés du conflit interethnique Mbole-Lengola dans la province de la Tchopo. C'est la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale qui a personnellement acheminé la cargaison. Edith Tchala. Le conflit Mbole-Lengola dans la province de la Tchopo a fait des ravages humanitaires. Le camp Konga-Konga à Kisangani accueille plus de 3000 déplacés. Dans la région depuis plus d'une semaine, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, s'est rendue sur place pour se faire une idée de besoins humanitaires. Pour parer au plus pressé, Aziza Mounana a amené 500 tonnes de vivres et non-vivres. Des bidons d'huile, des mousses, des pagnes, des habits, savon, sel, riz, haricots, sans être exhaustif. C'est pour dire que la guerre, c'est pas une bonne chose. Et nous devons prôner la paix pour que nous serons plus qu'à notre pouvoir pour retrouver la paix. Et que nous avons un président qui se bat jour et nuit, qui fait tout ce qui est à son pouvoir pour remettre la paix dans notre pays. Parce que j'ai visité d'autres camps, mais ce que je viens de voir maintenant, c'est vrai que j'ai amené à manger, à vivre, tous les médicaments, tout ce qu'on peut manger. Et je pense que c'est encore un signifiant. Je souhaiterais, à mon niveau à moi et au niveau de notre gouvernement, leur donner juste l'espoir de vivre. La détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'engagement de la première ministre, Judith Suminois, reposant sur l'expérience de Nathalie Aziza Mounana, les déplacés du conflit interethnique Mbole-Lengola seront pris en charge comme il se doit et les conditions de leur retour chez eux seront créées. Signature à Kinshasa d'un protocole d'accord entre le Conseil supérieur de la magistrature et l'entreprise congolaise de génie civil Rigaud pour les études des viabilisations du lotissement devant accueillir la construction des résidences dignes pour les magistrats dans la municipalité de Maluku vers l'est de la ville province Kinshasa. Edith Tchala. Dans quelques jours, dans la commune de Maluku, sortira des terres ce qu'il convient d'appeler cité de magistrats. Dans la salle de plénière de la haute cour, Dieudonné Kamuleta Badibanga, président du Conseil supérieur de la magistrature, et John Atama Agaré, directeur général de l'entreprise congolaise de génie civil, Rigos SARL, ont apposé leur signature sur le document du protocole d'accord et ensuite échangé les signataires en présence de toutes les personnalités du Conseil supérieur de la magistrature. L'entreprise Rigos SARL a conçu ce projet de construction des résidences en accord avec le syndicat autonome des magistrats et désormais elle a libre accès au lotissement pour les études. Nous leur avons montré des petites maquettes de ce que nous voulons concevoir comme maison et ils sont d'accord avec ça. Mais il y a encore un espace pour des
des améliorations. La cité des magistrats à Maluku, un rêve de près de 14 ans, va enfin prendre corps. Les syndicats autonomes des magistrats a raison d'espérer. Une occasion de voir ces rêves devenir réalité. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, l'organe qui gère au quotidien les magistrats, ce n'est pas un petit. Nous pensons qu'il n'y aura pas un impact très fort sur la rémunération des magistrats. Il faut rappeler que ce projet rime avec la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi d'assurer à ses acteurs essentiels de la justice des conditions de vie dignes pour garantir leur impartialité et leur efficacité. À Matadi Kibala, dans la commune de Mongafula, on constate le retour risqué des marchés pirates 2 ans après le drame de février 2022. Malgré les mesures d'interdiction, les vendeurs sont à nouveau sous les câbles haute tension et sur la chaussée de la nationale numéro 1. Le constat est de Tété Bongunja et Pascal Chicho. 2 ans après le drame qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes, les marchés pirates de Matadi Kibala ont repris de plus belle, au mépris des règles de sécurité et au risque des nouvelles tragédies. Malgré les dangers imminents liés aux câbles électriques et à l'insalubrité, les vendeurs s'entassent sur les trottoirs, exposant leur santé et celle des consommateurs. Les riverains sont exaspérés par cette situation. Vendre dans les routes comme ça, premièrement, ça restreint la grandeur de la chaussée. Les marchés de ces mamans prend toute une bande et nous restons avec deux bandes. Avec les deux bandes, avec le gros camion comme celui-ci, nous ne parvenons pas à bien circuler. Pour les marchands, c'est depuis le dernier incendie du 21 août 2023 que ces petits marchés Kompem a perdu tous ses visiteurs. Ceux qui tiennent encore ici sont à compter au bout du doigt et évacuent leurs articles avec beaucoup de peine. Après l'incendie, nous avons perdu beaucoup de biens et voire même des étalages. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ne veulent plus regagner le marché PEM et préfèrent vendre sur la voie publique. Le gouvernement avait promis de nous construire un nouveau marché qui n'est pas encore fait jusque-là. C'est pourquoi nous sommes sur la route. 4 mois après son installation, l'administrateur du dit marché est optimiste quant au retour à l'ordre de ceux qu'il appelle brebis égarés. Nous faisons beaucoup d'efforts pour qu'ils reviennent ici. Il y a des gens qui sont revenus. Vous verrez que le marché est en train de se remplir petit à petit avec la politique qu'on a mise en place. Mais nous nous battons avec les éléments de l'ordre. La police est là, ils nous accompagnent à tout moment. Mais ce qui fait mal avec ces mamans-là, vous les remettez à l'ordre le matin. Après le départ des éléments de la police, elles reviennent à leurs endroits pour vendre. Les autorités locales, bien conscientes de l'ampleur du problème, peinent à trouver une solution durable. Il n'existait pas de marché pirate, déclare Mouné Nembangi Faustin, commandant du commissariat urbain de Mongafula. Pour lui, les embouteillages accélérés sont dus au stationnement des transporteurs de gros camions. Le rétrécissement de la chaussée est dû à l'incompréhension entre les transporteurs d'Achako et Aseko qui déchargent les marchandises sur la chaussée. Cependant, Séverin Lumbu Malamba, bourgmestre de la commune de Mongafula, sollicite la construction d'un nouveau marché et d'un port sec pour pallier cette situation de la Nationale 1. Et la solution la plus propice, c'est la construction d'un nouveau marché. Si un jour nous pouvons construire un port sec au niveau de Mitendi, où nous pourrions loger 500 remorques, je pense que ça sera une solution qui pourra permettre à la route d'être dégagée. Signalant tout de même que les dangers restent permanents à ces lieux de négoce, les câbles de haute tension et le passage de véhicules poids lourds. Sauf changement, il se tiendra du 23 au 25 août prochain à Tokyo, au Japon, la réunion ministérielle de la TICAD, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Ce lundi, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie, Bestine Kazadi, a eu une séance de travail avec l'ambassadeur de la RDC au Japon. Ils ont échangé sur les préparatifs de la participation de la RDC à ces assises. Tony Juma.
pour assurer une meilleure représentation des intérêts de la RDC, conformément au programme d'action gouvernemental, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie a eu une séance de travail avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Japon. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la participation de la RDC à la conférence ministérielle de la TICAD qui se tiendra à Tokyo du 23 au 25 août prochain. La préparation ministérielle qui se tient à Tokyo par rapport à la TICAD, hein, qui est la conférence internationale sur le développement qui se fait au Japon tous les 3 ans. On a échangé sur, bien entendu, les questions de société et la question de paix et sécurité, économie et investissement. La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, organisée par le gouvernement japonais depuis 1993 en collaboration avec les Nations Unies, la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement et la Commission de l'Union africaine, vise à promouvoir le développement économique et social en Afrique, à renforcer les relations de coopération entre le Japon et l'Afrique et à mobiliser des ressources pour le développement africain, notamment à travers le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. À la clôture de cette réunion de travail, la ministre déléguée Bestine Kazadi a insisté sur la nécessité stratégique de disposer des feuilles de route spécifiques, concertées et alignées sur les priorités gouvernementales. Voilà, comme annoncé au début de ce journal, nous recevons sur ce plateau Maître Prosper Tetika. Maître Prosper, c'est un avocat, mais aujourd'hui nous le recevons en tant que président de Law and Technologies, une structure qui existe depuis 2002 et qui est basée ici à Kinshasa. Bonsoir Maître Prosper. Bonsoir Madame, merci de m'avoir invité. Et c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Alors dites-nous, quelle est la spécialité de votre structure ? Merci. Law and Technologies est un cabinet d'études. Nous sommes un think tank qui a été créé depuis 2022 en République démocratique du Congo. C'est un cabinet d'études indépendant qui se consacre aux droits du numérique et aux droits des technologies numériques en République démocratique du Congo principalement et ailleurs. Et dans votre structure, vous regroupez toutes les catégories ou c'est bien sélectionné, on ne retrouve que des juristes ou comment ? C'est une structure pluridisciplinaire. On retrouve effectivement des juristes spécialistes en droit du numérique, mais également d'autres compétences comme les droits des affaires, les droits publics. Mais il y a également des non-juristes, à l'instar des spécialistes en politique publique, en économie, en philosophie aussi. L'idée de Law & Technologies, c'est d'être un cabinet d'études indépendant, un think tank, comme on l'a dit, qui va permettre aux décideurs et d'accompagner justement le mouvement de réglementation dans notre pays en matière de numérique, en étant un organe d'expertise qui va proposer des études, qui va mener les études, à l'instar de notre première étude pionnière qui sera présentée à l'occasion de notre cérémonie de lancement qui aura lieu demain au fleuve Congo Hôtel. Avez-vous pensé également à sensibiliser la population par rapport au code numérique, par exemple ? Tout à fait. Depuis 2022, qu'a été créée notre structure, nous nous sommes appesantis sur la réflexion profonde, notamment du cadre légal et institutionnel du numérique dans notre pays. Aujourd'hui, la RDC dispose des textes de loi qui encadrent les activités du secteur du numérique. La question qui concerne nos missions, justement, l'une des missions est de faire en sorte que ces textes, ces instruments juridiques soient appropriés. L'étude, par exemple, que nous avons menée sur les données personnelles, qui sera présentée demain à l'occasion de notre lancement au fleuve Congo Hôtel, c'est une étude qui vient toucher un point essentiel. Aujourd'hui, les données personnelles sont considérées comme la mine d'or du numérique. Et les États, à travers le monde, mettent en place des mécanismes juridiques qui protègent les données personnelles. C'est l'étude que nous avons menée qui démontre aujourd'hui l'existence d'une soupape juridique qui protège les données des Congolais, mais également différents mécanismes qui s'appliquent en termes de droits pour les personnes concernées lors des différentes opérations de traitement de ces données, qui sont les Congolais, mais également des obligations qui concernent les entreprises, qui concernent les personnes physiques et morales qui traitent ces données. Au-delà de l'étude, notre think tank a formulé des recommandations au gouvernement, au secteur privé et bien d'autres. Et je crois que demain, ceux qui seront invités auront la primeur de découvrir cette étude qui a été menée par notre think tank sur le cadre légal de la protection de données personnelles en République démocratique du Congo, mais également les recommandations que nous formulerons
auprès des décideurs qui sont là, qui ont été invités, mais également auprès des entreprises qui sont également parce qu'ils ont été invités. Vous existez depuis 2022, mais la sortie officielle, c'est demain, oui. 6 août 2024. 2 ans depuis l'existence, bien sûr, mais demain, le 6 août, ça sera effectivement... Et la cérémonie sera où ? La cérémonie se tiendra au Fleuve Congo Hotel à partir de 15h30. Prosper Tetika, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Encore une société de la sous-traitance détenue par des sujets égyptiens vient de se conformer aux exigences de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance. Afro-Égypte vient d'ouvrir son capital social aux associés congolais, personnes morales, afin d'obtenir son éligibilité dans les activités secondaires. Les détails dans son reportage. Au siège national de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal appuie sur l'accélérateur en multipliant les actions non moins redoutables au service des entrepreneurs congolais. Tenez bien, le patron de la sous-traitance en RDC préside aujourd'hui une brève cérémonie d'ouverture du capital de la société Afro-Égypte, autrefois inéligible aux activités de la sous-traitance dans le domaine de télécom. Cette dernière accepte de céder un certain nombre des parts sociales à la société Solutech Service, devenue associée majoritaire avec 51% de parts sociales dans une gestion collégiale. Cette ouverture du capital confère de plein droit le caractère éligible à la sous-traitance en RDC en faveur de la société Afro-Égypte RDC, telle que le veut la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance et ses mesures d'application. Le directeur général de la RSP se félicite d'avoir encore mené à bon port un travail qui répond littéralement aux aspirations du président Félix Tshisekedi. Nous remercions le président de la République, son excellence, M. Félix Tshisekedi. Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre l'Égypte et le Congo en cette matière. J'apprécie beaucoup parce qu'il y a pratiquement la même politique entrepreneuriale avec les mêmes procédés qui exigent le respect de la loi sur la sous-traitance. À l'heure actuelle, le DG Miguel et ses collaborateurs sont déterminés à enchaîner de plus en plus avec des actions de grande envergure au profit des Congolais. Les centres de formation professionnelle non viables seront fermés. Décision prise par le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila. C'était à l'issue d'une visite de quelques centres dans la capitale. Pour le ministre Marc Ekila, il faudrait remplir un certain nombre de critères avant de s'appeler centre de formation. C'est un reportage commenté par Yvette Makoutima. Les temps montent et le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila Lukombo, tape du poing sur la table. Les centres qui ne remplissent pas les conditions de viabilité seront fermés. Le patron de la formation professionnelle l'a dit devant les coordonnateurs provinciaux et chefs des centres de la province éducationnelle qui ne sont réunis au centre Saint-Joseph dans la commune de Mongafula. Maître Marc Ekila Lukombo a menacé de retirer les agréments et fermer tous les centres publics et privés fonctionnant en dehors de la réglementation. Je mets en place une commission d'agrément, non seulement pour examiner toutes ces demandes-là, mais aussi nous allons rappeler un certain nombre d'arrêtés. De la parole à l'acte, Maître Marc Ekila a diligenté une mission d'inspection de 15 jours dans les 3 zones éducationnelles de Kinshasa sous la coordination du secrétariat général en vue d'évaluer l'état de viabilité des centres de formation. L'opération va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Mais c'est fait que ces centres-là qui avaient été formés à l'époque, jusque-là n'ont pas pu atteindre les degrés de viabilité. Une structure qui veut absolument assurer la formation professionnelle doit d'abord commencer par disposer d'un lieu, du matériel, avoir de formateurs. Ces mesures drastiques devront aboutir également à l'intégration des centres privés viables dans la participation à l'examen national de fin d'études professionnelles pour les formations allant de 9 mois à 1 année. En outre, Maître Marc Ekila envisage l'organisation des jurys télévisés de la formation professionnelle en vue de renforcer la compétitivité de l'enseignement technique.
Le développement de la Tchangou est le cheval de bataille du député national Jean Goy. Le dimanche, il a eu des échanges avec sa base, nous dit Jemi Mamougo. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable Jean Goy Vundi, député national et provincial, l'élu de la Tchangou et Massina, a réuni à l'Institut Saint-Jean plus de 1000 responsables de sa structure, dénommée la force du nombre des différentes communes de la capitale et ceux de la province du Kwango, que dirige l'honorable Yannick Mambo, qui était aussi présent à cette activité. Les responsables doivent relayer les messages aux membres de cette structure qui sont partout au pays, mais également aux électeurs de cet élu qu'on appelle affectueusement Double Brassard, qui est Jean Goy Vundi. Prenant la parole, ce dernier a remercié sa base qui l'ont voté comme député national et provincial et a saisi l'occasion pour donner le calendrier pour rencontrer tous ses électeurs. Honorable Jean Goy Vundi a promis d'amener les doléances de sa base au bureau de l'Assemblée nationale et faire les suivis. Entre autres, les problèmes de la sécurité, manque d'eau potable, route et électricité. Nous avons fait appel aux responsables, non seulement de Tchangou, même ceux de Lukunga, ceux de l'intérieur qui sont ici à qui n'étaient présents. Nous leur avons donné le message. Maintenant, viendra l'étape des communes là où nous allons rencontrer tous les membres. Parce qu'à Tchangou, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons le problème de l'insécurité, nous avons le problème de l'eau et de l'électricité. Pour ne citer qu'il y a aussi problème de route qui pose problème. Pendant la pluie à Tchangou, dans certains communes, c'est difficile de se promener. Alors, ce sont là les différents problèmes que nous allons coucher dans notre rapport de vacances. Notons que Jean Goy Vundi poursuit avec ses activités dans ses différentes bases pendant ses vacances parlementaires. Question pour lui d'honorer sa promesse faite à sa base, celle d'être leur porte-parole dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Et pour terminer, sachez que la culture chinoise aura une image durant toute cette semaine à la Radio-Télévision nationale congolaise. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a lancé la semaine du film chinois placée sous le thème « Amitié sino-congolaise, valeurs communes, avenir partagé ». C'était en présence de ses collègues du tourisme et de la culture, ainsi que le président du conseil d'administration et la directrice générale de la Radio-Télévision nationale congolaise. Reportage Gaëtan Magalano. Dormir chez les Chinois, ce film projeté ce lundi 5 août au studio Maman Nguébi de la RTNC a inauguré la semaine du film chinois, lancé lors de cette cérémonie par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Je voudrais donc déclarer ouverte la semaine du film chinois sur la télévision nationale. Une collaboration stratégique et culturelle entre la RDC et la Chine, dans le cadre de la concrétisation de la volonté exprimée entre le président congolais Félix Tshisekedi et les Chinois Xi Jinping, qui s'y rappelait, par Patrick Muyaya Katembwe. Au cours du séjour du président de la République en Chine, nous avons porté à un niveau global et stratégique le partenariat avec la Chine. Et c'est ce qui se passe ce soir, où nous venons de lancer cette semaine du film chinois qui nous permettra de donner de la visibilité au programme chinois pour nous permettre de renforcer les liens culturels, évidemment, qu'il est aussi prévu une projection d'un documentaire produit par la télévision nationale en Chine durant la visite prochaine du président de la République. Une minute de silence en mémoire de victimes du génocide. Demande formulée par la directrice générale de la RTNC à l'assistance avant de promettre aux téléspectateurs de la chaîne de grands événements que la diffusion de ces programmes va s'y poursuivre. Entre le plus grand pays d'Afrique subsaharienne, avec son immense richesse culturelle de plus de 450 tribus peuplant son territoire, et le plus grand pays d'Asie orientale à la tradition millénaire, il ne serait pas excessif d'affirmer qu'il y a beaucoup à montrer, beaucoup à échanger entre nous. Quant à la semaine du film chinois, elle est donc lancée solennellement ici au studio Maman Nguébi, mais va se poursuivre sur le petit écran de la RTNC d'après une programmation qui vous sera communiquée. Semaine de découverte de la culture chinoise aussi long, l'ambassadeur chinois accréditant à RDC, le sens de la semaine du film chinois ici rappelé, ainsi que le rôle de la RTNC dans la promotion du 7e art dans sa version chinoise. L'événement peut se dérouler et grâce au soutien précieux de la RTNC. Je profite de cette occasion pour les remercier, notamment
pour le professionnalisme et la haute qualité de travail dont ils font preuve lors de la préparation de cette semaine. Placé sous le thème « Amitié sino-congolaise, valeurs communes, avenir partagé », cet événement permettra à travers la télévision nationale de promouvoir la culture chinoise, aussi de valeurs communes partagées dans le domaine de la coopération entre Kinshasa et Pékin. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sylvie Makumbani était à la rédaction. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 23h avec Jemima Mogo. Excellente suite de programme sur la RTNC.